Bonsoir, on se retrouve pour un retour de course. Voilà, donc on a chacun fait des courses un peu. Voilà, on a chacun fait un peu de courses, enfin chacune. Et j'en ai fait quelques-unes aussi, moi, mais bon, je ne peux pas amener grand-chose avec le caddie, donc voilà. Bon, je vous montre le surgelé, je le range et après on fait le reste. Allez, c'est parti pour le surgelé. Alors, je vais l'attraper. Alors en surgelé, j'ai pris des frites. La marque Saint-Denis, moi j'ai des frites basiques. Ça c'était 1 euro. Bon, je vous mets pas les prix hein, parce que c'est vraiment trop galère. Et puis voilà. Je vous montre les produits, et puis tant pis pour les prix. Hein. Voilà, on s'en fout. Au pire, je vous les remettrai en barre d'infos comme j'ai fait pour la précédente vidéo retour de course. Donc des frites. Voilà. Toutes basiques. Je me dépêche parce que je suis surgelée. Et j'ai pris des glaces vanille nougatine, comme ça, de la marque Inter. Voilà. Donc, je range le surgelé et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Je range le surgelé. Hop. Donc on va poursuivre la vidéo tranquillement avec le restant. Je vous montre tout, le frais, le pas frais, enfin voilà, tout. Donc on continue. Alors, j'ai pris des sachets comme ça pour chat, il y en a 4. Voilà, il y en a déjà un vide parce qu'il y en a un qui est en cours de dégustation. Voilà. Donc voilà, au poisson. Voilà, j'ai pris une boîte. Oh, je me suis trompée, j'ai pris des cannelloni. Oh, c'est pas grave. Je voulais prendre des raviolis, j'ai pris des cannelloni pur bœuf. C'est pas grave. Ça changera un petit peu. Hein. Okay. Donc, des cannelloni. Je voulais des raviolis, mais c'est pas grave. Donc, voilà, des cannelloni. Du coup. Excusez-moi. Le téléphone a vibré. Je sais pas trop, voilà. Bref, donc du coup les cannelloni au lieu des raviolis. Ensuite, on va les croire, voilà, c'est pas grave. Des saucissons lentilles pour dépanner. Voilà. Ensuite, des croutons au fromage. Comme ça, deux, je la mets en terre. Du jambon de Paris. En deux tranches, moins 25% de sel. Hop, je vais vous montrer les poires. J'ai pris un paquet, 1 kg de poires comme ça en paquet. Bon, c'était 1,99€ la barquette de 1 kg de poires. Voilà. Origine France. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris des œufs. Donc, des œufs. La marque, c'est Intermarché. C'est. Les éleveurs vous disent merci. Voilà. Donc, c'était 1,42€, ça. Voilà. Ils mettent même la tête de l'éleveur. Voilà. Voilà. Donc, je regarde l'état des œufs. Hein. Impeccable. Très bien. Un paquet d'œufs, trois clémentines, j'en ai pris que trois parce qu'elles avaient une drôle de tronche, donc c'est pour ça que j'en ai pris trois parce que je sais pas trop, hein, voilà, j'en ai pris trois, des compotes pommes poires, au rayon pas frais, voilà, des compotes, du riz long grain en sachet. Comme ça, c'est plus facile à doser. Voilà, donc en 10 minutes. Voilà, du riz. J'ai envie de dire basique. Des yaourts comme ça, aux fruits en morceaux, fruits rouges, mûres, framboises, fraises, cerises. Voilà. Donc il y en a, je sais pas combien. 8, je crois. Ouais, c'est ça, 8. Du couscous aux épices. Voilà. En sachet, je
crois que c'est en sachet, ouais. Voilà. Pour l'apéro, j'ai pris des boutons d'or comme ça, de fantôme, genre Monster Munch. Goût salé. Ensuite, j'ai pris des croustilles au fromage, comme ça. C'est vite fait, hein. 5 minutes, en effet. Il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Je peux pas ramener énormément de choses avec le cas. J'ai pris de la sauce au poivre, comme ça. De la marque Inter. Voilà. Ensuite, ça. J'ai pris de l'emmental, comme ça, français, l'emmental basique. Voilà, j'ai pris des boîtes à chat comme ça. Voilà. Ça va vite, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas énormément de choses. Et j'ai pris un paquet de flambis par 4. Voilà, c'en est tout pour ce retour de course. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer de vous faire les produits terminés bientôt parce que ça prend de la place dans la salle de bain et c'est pas top top, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à la prochaine. Ciao !